de l'échalote, de l'oignon rouge. Bonjour les copains, excusez-moi pour le retard, mais vous me connaissez, hein? Allez. Chaque fois c'est presque pareil. Mais c'est bien qu'on se retrouve quand même après la tenue de cuisine malin. Oui, ben, c'est bien. Voilà, on coupe comme ça, comme il nous a appris. D'accord. Et après. Et moi j'ai oublié hein, depuis un an. Mais je te remontre. Et après on recoupe dans l'autre sens et ça fait des petits dés de quelques centimètres, de quelques millimètres. D'accord. Comme ça, donc. Mais les concombres, on les fera en plus gros morceaux pour qu'il y ait du croquant un petit peu. Ah, ok. Nous avons fait les courses quartier des Cévennes. On est allé donc dans une petite supérette de quartier, bon, qui est un peu plus chère que, effectivement. Oui, c'est les... cher là-bas. Non, enfin bon. Et ensuite, on est allé chez un primeur qui est ouvert 7 jours sur 7, de 8h du matin à 21h. Bon, alors là, je prends les concombres qui sont dits moches, qui n'ont pas la forme de conditionner et tout ça. Ici, j'ai les carottes aussi, à 40 centimes le kilo. C'est parce qu'elles sont un peu biscornues, un peu bizarres, donc ils font des prix. Qu'est-ce qu'on peut mettre oh, 90, les tomates, c'est pas la saison. Hein, résultat des courses, on a dépensé 20 euros pour le repas qu'on va faire à 10 personnes. Donc 2 euros par personne. Donc 2 euros par personne. Et moi, comme j'aime bien le vin, j'offre le vin. C'est une bouteille à 5,50 euros. Mais c'est moi qui offre. Bon, ce qu'il y a, c'est quand on cuisine pas cher, il faut se la donner. Il faut manger là. Hein? On est maigre. C'est très bon, en effet. Il faut reprendre l'effort. Mais oui. Ça s'appelle le talent et la modestie. Et voilà. Surtout la modestie, on a. Ouais. Hein? Mmh.